Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que tout le monde va bien, que les choses se passent. Ma voiture elle est tombée en panne, je l'emmène et tout au garage et tout, il la répare et il m'appelle, il me dit c'est bon viens. Bon, je descends chez moi et tout, je me suis dit, à l'arrêt du tramway à côté de moi, je lui ai dit tiens, le tramway à Vénitieux, je l'ai vu se construire mais j'ai jamais pris le tramway. C'est vrai que les transports en commun je les fréquente plus depuis 2002, bon. Je rentre dans le tramway. Oh putain de merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh les gamines et les gamins, vous sortez d'où? Vous êtes des animaux, des hayawen. Vous respectez pas les gens. Je rentre dans le tram, je rentre dans le tram. Je vois des vieilles, des mères de famille, des pères de famille qui rentrent du boulot. Et ils ont la main sur la barre. Et vous, vous êtes assis sur les genoux des mecs, bande de putes. Mais je rêve ou quoi? En plus, vous êtes assise, vous vous faites remarquer, et vas-y que je roule un joint, et vas-y que je parle fort, et vas-y que je rigole fort, je prends des snaps. Et les mecs, là, les femmes, elles sont assises sur vos genoux, mais je rêve ou quoi? Vous êtes devenus des vrais pédales, vous aussi. Oh, moi, à mon époque, le bus, il était divisé en deux. Il y avait les mecs derrière et les femmes devant, mais ça, c'était avant. Et nous, on faisait pas de bordel comme vous. Nous, si on faisait du bordel, on n'en faisait pas comme vous. On en faisait discrètement. Quand on voyait la mère de famille de quelqu'un qu'on connaît monter dans le bus, on rentrait dans les sièges. Vous, non, vous vous en battez les couilles. Génération m'as-tu vu de merde, bande de sales merdeux. Vous méritez des tartes dans vos gueules. Vous êtes là, vous êtes en train de gueuler. En plus, en train de jurer, Wallah, à tout va. Wallah, si... Quelle image vous donnez? Quelle image vous donnez aux maghrébins, aux musulmans de France, bande de trous du cul? Fermez vos gueules un peu, parce que faut dire ce qui est. On va pas se leurrer, hein. C'est tout le temps des Renois et des Robeux. J'ai jamais vu un Chinois, un Français, une Française, un Martien partir en couille dans les transports en commun. C'est tout le temps nous, Robeux et Renois. Hein, c'est bon, vous avez pas... On en a assez de se faire stigmatiser pour rien. Les gens, ils font l'amalgame, mais l'amalgame, c'est vous qui faites en sorte que les gens le font. C'est quoi ces gamins qui demandent des feuilles au CB Slim à des grands? Et les grands, ils leur donnent. Venez me demander à moi. Wallah, je vous jette dans les rails du métro, direct. Vous êtes malade ou quoi? Respectez les gens qui vous entourent. Si vous, vous vous respectez pas, respectez les gens qui vous entourent. C'est... transport en commun, c'est pas le transport à vos grand-mères. Donc, maintenant, je fais cette vidéo-là pour vous dire, arrêtez de vous faire remarquer dans les transports en commun. C'est pas possible, vous avez pas de parents, vous avez pas de frères. Ils sont où vos grands frères? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah ouais, j'ai oublié, ton grand frère, il déboîte ta propre copine. Comment veux-tu qu'il y ait un respect qui se fasse et ben, entre vous? C'est pas possible, j'ai failli faire un génocide, un meurtre. Heureusement que j'avais un arrêt à faire, je suis descendu, il y a un mec qui est venu me récupérer en voiture. Sinon, wallah, je vous rentre dedans, tous autant que vous êtes. Vous sortez du lycée, du collège. Oh, respectez-vous, arrêtez de squatter les gars à rien faire. Surtout les femmes, qu'est-ce que vous faites là en bande? Vous êtes en bande, vous êtes en train de gueuler, en train d'insulter les gens. Mais wallah, moi je vous vois faire ça devant moi, je vous cogne, vous et vos frères, et vos pères s'il le faut. Parce que c'est pas des hommes, j'ai jamais vu ça moi. Taisez-vous, vous êtes des filles, faites-vous petites. Il n'y a rien de meilleur pour une femme de se faire remarquer par sa discrétion. Mais c'est que les Renza, les Khamja, les crasseuses culottes comme vous qui sont obligées de gueuler pour se faire remarquer. Et c'est tout le temps les mêmes profils. Après vous dites que je m'acharne, allez vous faire enculer. Mais c'est terrible ça, transport en commun. T'es là, tu vois une vieille, un handicapé, tu te déplaces, tu laisses ta chaise. T'as 16 ans, t'as 17 ans, t'es en pleine forme. La putain de vorace va. Bref, ils m'ont foutu de seum les gens comme ça. Prenez soin de vous, de vos familles, on se dit à plus tard. Wassalamu alaikum.